Salut tout le monde, on se retrouve pour la mise à jour de ce mercredi 7 février 2018 et je suis trop contente parce que ce sont les Suédois du Nord améliorés. Alors vous voyez à l'image, c'est juste magnifique. On va lire les nouvelles ensemble. Salut Star Farm. Alors que nous mettons à jour certains de nos chevaux, l'heure est venue pour le Suédois du Nord d'obtenir un nouveau look très cool. Tu trouveras 3 nouveaux Suédois du Nord dans le jeu. Le Suédois du Nord. Ce cheval calme et amical est renommé comme excellent cheval familial. Il était autrefois utilisé comme cheval de trait dans l'agriculture et la sylviculture en Suède, mais de nos jours, le Suédois du Nord est plutôt un cheval de selle. Avec sa robe épaisse, c'est le cheval parfait pour celles qui veulent passer du temps dans la vallée du dinosaure oublié. Vous voyez, ils sont vraiment très beaux. Donc voilà. Le Suédois du Nord polyvalent. Alors, quelle est cette race? Le Suédois du Nord. Où puis-je l'acheter? Tu en trouveras un à Farpinta et 2 autres à Valda. Combien est-ce qu'il coûte? 749 starons. Ça va, c'est pas cher. Hein. Enfin, un petit peu quand même, mais c'est vrai. Pas comme les autres chevaux. À quel niveau faut-il être pour pouvoir l'acheter? Au niveau 8, mais tu peux acheter le cheval à Farpinta à partir du niveau 1. Dois-je améliorer ma réputation pour pouvoir l'acheter? Non. Quelles couleurs de robes sont disponibles? Baie, noir, comme on avait vu avant, et palomino, comme il y a ici, et je trouve qu'il est vraiment magnifique. J'hésite vraiment à me le prendre. J'hésite vraiment entre le noir et le palomino en fait. Donc, y a-t-il une autre chose à savoir sur le nouveau cheval? Il y a 3 bonnes choses à savoir sur le Suédois du Nord. Avec sa robe épaisse, c'est une race qui résiste au froid et qui pourra passer autant de temps que tu le veux dans la vallée du dinosaure oublié. En raison de ses fanons épais, les longs poils sur le bas de tes jambes et les pâturons, il n'est pas possible d'utiliser des guêtres sur le Suédois du Nord. Les chevaux de trait qui passent beaucoup de temps à attirer des carrioles ou des charrues ont souvent besoin d'avoir leur queue coupée afin que celle-ci ne se coince pas. Pour honorer l'héritage de cheval de trait suédois du Nord, tu peux choisir de lui donner une queue extra courte. Si tu es intéressé par l'un des cousins plus anciens du Suédois du Nord, tu les trouveras tous au marché aux chevaux pour 399 starcoins chacun. Donc je pense que pour vous c'est 799. Le marché aux chevaux. Cette semaine, va au port de Farpinta si tu veux rendre visite à Heidi et Ferdinand, et donc des chevaux suédois du Nord avec eux. Actu jeu Startable. Comme toujours, Matilda et Game Master Ilva commenceront les actus de la semaine sur nos chaînes de réseaux sociaux. Passe une merveilleuse semaine avec Jorvik avec les nouveaux Suédois du Nord. Bisous, ton équipe Startable. Bon, franchement, moi je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça, qu'ils ont vraiment bien refait et tout. Après, on va voir ce que ça donne. Donc, je peux déjà jouer. Donc, on se retrouve après. A tout de suite. Bonjour tout le monde. Donc j'ai pris mon Suédois du Nord ancien pour l'occasion. Et donc on va aller à Farpinta. Je vous laisse avec la suite. Donc nous y revoilà. Et donc oh c'est le bec qui est là. Je ne sais pas du tout si je vais l'acheter lui. Il est mignon, mais je sais pas, il a des reflets un peu mauves. Ah, ils font la même taille en fait. Il est mignon, mais il a un peu des reflets mauves. Oula. Je sais pas, je pense pas que je vais l'acheter. Et quand on regarde comme ça, il y a la même crinière que le Connemara. Voilà quoi. On va aller voir les deux autres. Oula, il y a déjà un peu plus de monde ici. C'est génial. Oh, elle a le palomino et le noir aussi. Comment il broute. Je pense que je vais prendre le palomino et les gens trop beaux. Putain, en plus il a une liste. Attends. Il part un peu vers le côté. Ah non, c'était juste une impression. Putain, il est trop beau. Et le noir. Le noir, je pense pas que je vais prendre, je sais pas.
Il est beau, mais voilà quoi. Non, je pense que je vais prendre le Palomino. Je vous laisse quand, enfin, je vous laisse quand j'aurai choisi le nom et le choix que je prendrai. Retournons. Donc j'ai fait mon choix, je vais prendre le suédois Palomino, qui est juste trop mignon. Et je vais l'appeler Ice Princess. J'ai mis 3 saisons pour trouver le nom. Voilà. Je suis contente d'avoir trouvé le nom. J'allais y passer toute la journée en fait. Ice Princess. Qui veut dire princesse de la glace, comme ça. Et où est-ce qu'il est? Ok, c'est par là. Et... Ah, attends. Voilà, Ice Princess. J'espère que aucun méchant pour tout le monde, sinon je vais faire un PTA à 4. 3, 2, 1. Je l'ai. Par contre, maintenant, j'arrête d'acheter des chevaux parce que là, j'ai en dessous de 3000 Star Coins. Et je peux vous dire que ça fait vraiment mal. Voilà. On va aller voir les perfumes. Ah oui, c'est vrai, on peut mettre la pub en petite. Voilà, que court, pardon. Non, j'ai déjà vu là. Ça change quoi en fait pour la... Pour l'écran. Pour la crinière, ça change rien. On va voir les autres coiffures. Ça va. Bon. Les pions, c'est joli. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love. He makes it feel like nobody else, nobody else. But my love. Non, je pense que je vais laisser la coupe normale. Peut-être que plus tard je mettrai la coupe la plus courte. Je ne sais pas, on verra bien par après. Non, franchement, elle est très beau, très beau. Bon, vous vous demandez pourquoi est-ce que je me retrouve à Fort Pinta. Non, je ne peux pas acheter la deuxième Suède du Nord, mais je vais plutôt aller faire une mission de marché. Donc bah c'est parti, je vous laisse avec la suite. We'll be right back.
Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus !